Mon travail consiste à la surveillance de la qualité de l'air en général au service technique des associations qui s'en occupent. Donc on va s'occuper de mettre en place des campagnes de surveillance de la qualité de l'air sur des zones très spécifiques pour répondre à des demandes. Sur ces campagnes, on va s'occuper de toute l'installation puis la maintenance des appareils, donc de diverses natures. Une fois que ces campagnes sont terminées, on s'occupe de récupérer ces résultats avec des laboratoires en partenariat. On analyse ces résultats qui permettront ainsi aux équipes suivantes, donc tout ce qui va tourner autour des études et de la modélisation, de donner vie à ces résultats de manière à répondre à la demande initiale et aux besoins des populations. Mon travail se passe tant au bureau pour tout ce qui tourne autour de la mise en place des campagnes, mais également de toute la récupération des données de nos stations fixes qui sont installées un peu partout en PACA, mais également sur le terrain, puisqu'on fait on installe ces fameuses stations, mais d'autres appareils également, et on fait leur maintenance quotidienne, mensuelle. Et le fait d'être sur le terrain fait que nous sommes parfois sollicités par le public avec certaines questions, et donc on se doit de leur répondre de manière à les rediriger vers les bonnes sources d'informations. Dans le cadre de mes missions, je suis souvent amené à utiliser de l'électronique, notamment pour l'installation et la maintenance de nos appareils. Donc c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien, sous toutes les déclinaisons possibles de l'électronique. Mais également, lorsque je suis au bureau, j'ai besoin de faire de la programmation, puisque certains appareils ne communiquent pas d'eux-mêmes. Donc on va être obligé de nous aller les récupérer. Et de manière à éviter qu'on se balade tout le temps sur le terrain, on prépare en amont des petits scripts, d'autres petits appareils qui vont s'occuper de tout récupérer. Au niveau de ma formation, j'ai donc passé mon baccalauréat en sciences techniques, électronique programmation, et j'ai simplement poursuivi en bac plus 2, donc brevet technicien supérieur, en système numérique et option électronique et communication entre appareils. L'intérêt principal de mon métier, c'est qu'on est amené à utiliser beaucoup de nouvelles technologies, donc quelque chose qui se développe avec le temps. Et on travaille dans un domaine qui explose un peu sur notre décennie, c'est-à-dire la pollution en général, et notamment les questions d'actualité autour de la qualité de l'air. Donc c'est un métier qui va avoir de l'avenir, puisque c'est des questions qu'il va falloir traiter. On se tourne vers un public qui est parfois très mal informé, et on va chercher justement à lui permettre d'avoir des réponses basiques, mais des réponses à toutes ces questions.